Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Gilles Briançeau, je suis le directeur du cluster Innovin, cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, seul pôle vitivinicole français qui est dédié à l'innovation dans le secteur du vin. Alors, Innovin est à l'origine, était l'un et est l'un pardon, des organisateurs des Vinitech Innovation Tour, aux côtés du salon Vinitech Sifel, de l'Agence de coopération internationale de Nouvelle-Aquitaine Interco et de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et nous sommes aujourd'hui tous très heureux de vous accueillir pour ce webinaire à l'occasion du salon Vinitech Sifel, webinaire dédié à la filière vin en Russie et à ses opportunités. Alors, en guise d'introduction, très rapidement, avant de laisser la parole aux différents intervenants, je voulais d'abord vous donner quelques mots sur les Vinitech Innovation Tours. Alors, les Vinitech Innovation Tours, qui avaient déjà été présentés, lancés à Vinitech en 2018, font partie d'un programme de développement international destiné à promouvoir l'excellence des innovations vitivinicoles régionales et plus largement françaises et à accompagner les fournisseurs de solutions, produits, services à la filière vitivinicole dans leur développement export. Alors, l'objectif des Vinitech Innovation Tours, c'est de promouvoir l'innovation pour répondre aux enjeux et aux problématiques du secteur du vin au niveau mondial. Le format est assez, même pas assez, le format est efficace. Il se traduit à chaque fois par une mission dans un pays producteur, en combinant des conférences scientifiques, des rendez-vous B2B avec des producteurs ou des distributeurs locaux et des moments de networking. Notre volonté sur ces Vinitech Innovation Tours, c'est de travailler sur le long terme. On associe les acteurs locaux, les producteurs, mais aussi les centres de formation, les centres de recherche, les institutions, les pouvoirs publics, de façon à bien comprendre les besoins et les problématiques locales et de développer une démarche à long terme. Ce n'est pas une mission one shot, c'est des relations de partenariat que l'on souhaite établir pour qu'elles bénéficient évidemment aux entreprises qui nous accompagnent. Et c'est pour cela qu'on accorde beaucoup d'importance lors de ces Vinitech Innovation Tours au moment de networking et qu'on assure derrière un suivi des contacts pris sur place via un réseau international qu'on est en train de créer et développer et que nous animerons, le réseau WIN, Wine Innovation Network. Voilà, je ne vais pas être plus long sur l'introduction des Vinitech Innovation Tours. L'objectif, c'est de parler de la Russie et de ses opportunités, un marché en plein développement. Delphine Demade vous présentera en fin de webinaire le prochain Vinitech Innovation Tour en Russie. Et pour ma part, je vais laisser la parole à Olga Chevet qui va vous parler de la situation actuelle de la filière vitivinicole russe et de ses opportunités. Voilà, Olga, c'est à vous. Merci, Gilles. Je crois que c'est Jean-Philippe. Ah, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Excusez-moi, c'est Jean-Philippe d'abord, Jean-Philippe Roby, qui est enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro et à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui va vous parler du vignoble russe en pleine transformation parce que c'en est un fin connaisseur. Alors, donc Jean-Philippe, c'est à toi. Voilà. Alors, fin connaisseur, je ne sais pas. Bonjour à toutes et à tous. Cela fait maintenant un petit peu plus de 10 ans que je travaille en Russie. Et disons que j'ai été témoin en 10 ans de la transformation du vignoble russe. Et je suis en contact avec bon nombre d'acteurs majeurs de la filière vitivinicole aujourd'hui en Russie. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais vous dresser en quelques diapo suivante. Voilà. Je vais vous dresser en quelques minutes le panorama des vignobles viticoles, des vignobles des régions, pardon, viticoles russes. Je dirais qu'on en distingue trois. La région majeure étant celle de Krasnodar sur la partie est de la mer Noire. En face de cette région, au milieu de la mer Noire, la Crimée. Et ensuite, au nord, on observe de nombreux petits vignobles qui sont en train d'être restructurés ou créés, ou recréés dans la région de Rostov. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Le climat, contrairement à ce qu'on peut penser, on peut le qualifier de favorable à la culture de la vigne. Alors tout d'abord, il faut savoir que les régions que je viens de vous présenter, elles s'étendent du 44e parallèle au 47e parallèle, ce qui correspond à peu près aux vignobles français, disons, au-dessus, entre Bordeaux et le nord de la France. Le climat est chaud l'été. Alors, c'est absolument pas un climat méditerranéen, mais l'été peut être très sec dans ces régions, y compris dans la région de Rostov, et chaud avec des températures qui peuvent atteindre allègrement les 36 ou 38 degrés dans le sud, sur le pourtour de la mer Noire. L'hiver est froid, ça tout le monde le sait. Et bien évidemment, les risques de gel d'hiver et de gel de printemps sont importants. C'est une des contraintes majeures du vignoble. Tous ces vignobles bénéficient, pendant la durée du cycle végétatif de la vigne, d'un très bon ensoleillement, supérieur à ce qu'on peut observer dans la majorité des régions françaises. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les sols sont également très variés. Alors, je dirais que de l'Ukraine à l'est de la Russie, hein, des sols fameux, connus, sont les Tchernozium, ces terres noires, ces terres infertiles, ces sols profonds qui sont nettement plus favorables à la culture des céréales qu'à la culture de la vigne, mais sur lesquels on trouve de nombreux vignobles, en particulier des vignobles de production de vin industriel. Des terrains argilo-calcaires sont très présents en Crimée et dans la région de Krasnodar, avec des terroirs que je qualifierais de magnifiques, avec des sols superficiels, une faible disponibilité en eau, une contrainte azotée qui peut être présente aussi, et donc favorable à la production de baies de raisin concentrées, petites, qui permettent d'élaborer de grands vins de garde, rouges en particulier. Il y a quelques volcans dans ces différentes régions et on peut observer des sols volcaniques. Et puis bien évidemment, des alluvions sur toute la longueur des rivières qui parcourent le pays. Diapo suivante. Le système de conduite, il reflète l'héritage de l'époque soviétique et beaucoup sont très largement orientés sur une conduite industrielle avec des vignes larges. Pour les vignobles haut de gamme, et c'est le cas depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on observe une augmentation de la densité de plantation qui peut monter à 4 000, 5 000, voire 6 500 pieds à l'hectare pour les vignobles rouges destinés aux vins de garde. La taille en cordon est majoritaire, elle est très largement répandue, et je dirais que le vignoble bénéficie souvent d'une faible surface foliaire par mètre carré. Diapo suivante. Je voudrais insister sur l'histoire viticole. On a du mal à imaginer la Russie comme un pays viticole ancien, et pourtant, bien plus ancien que dans l'Europe de l'Ouest. Dans le sud de la Russie, on observe des vestiges vitivinicoles plurimillénaires, en particulier sur le pourtour de la mer Noire. Rappelons-nous que nous sommes très proches de la Géorgie, hein, et la Géorgie est considérée comme le berceau de la viticulture mondiale. Au nord, dans la région de Rostov, je dirais qu'il y a un fort héritage cosaque, où on retrouve aussi des usages, des coutumes héritées de cette époque. Diapo suivante, s'il vous plaît. Des cépages autochtones, et qui pour certains sont très bien valorisés, et une majorité de vignes de raisins internationaux qui sont aujourd'hui plantés dans les vignobles restructurés. Alors, pour lister quelques-uns des cépages rouges les plus plantés, les cépages autochtones, il y a le Saperavi, que l'on connaît maintenant bien et que l'on retrouve sur des linéaires de supermarchés européens, le Krasnostop, le Bastardo, le Tsimiansky Tcherny noir. Pour les cépages blancs, leur Kakhetelli, le Kokour et le Sibirkovis. Ces cépages font l'objet d'une attention particulière de la part de certains viticulteurs qui veulent se démarquer
avec ces cépages autochtones et retravailler le vin selon les usages et coutumes anciennes. Bien évidemment, le Cabernet Sauvignon est un cépage majeur parmi la longue liste des cépages internationaux utilisés, en compagnie du Cabernet Franc, Petit Verdot, Syrah et Pinot Noir. En blanc, l'Aligoté est un cépage dominant, je dirais, et qui sert souvent à la production de vins effervescents de type industriel, aux côtés du Chardonnay, de Muscat, de Riesling ou de Pinot Gris. Et ce qui est remarquable en Russie, c'est qu'on ne trouve quasi exclusivement qu'un porte-greffe aujourd'hui, qui est le 5BB. Diapo suivante, s'il vous plaît. La gamme de vins est extrêmement large et je dirais qu'elle est dominée largement par des vins d'entrée de gamme ou de consommation courante. Et l'on trouve dans les linéaires de Moscou et des grandes villes, mais aussi des petits villages, tout type de produits, en blanc, sec ou liquoreux, des rouges qui peuvent être secs ou liquoreux pour certains d'entre eux, des rosés et beaucoup d'effervescents. Je dirais qu'en 10 ans, les vins de garde rouges sont en forte augmentation. Je crois qu'on peut affirmer qu'il y a une véritable culture du vin en Russie. On consomme traditionnellement du vin au cours des grands repas, mais y compris en dehors des repas. Si vous avez la chance d'aller à Moscou ou dans d'autres villes, vous verrez beaucoup de gens qui prennent l'apéritif avec un verre de vin à la main. Lors des événements festifs, il y a de fortes consommations de vins effervescents. Dans les campagnes, autour des villages, il y a des petits lopins de vignes traditionnels qui font quelques arrhes, mais qui servent de vins de consommation courante. L'œnotourisme, je dirais, est florissant et s'est largement développé en Crimée sur le pourtour de la mer Noire. Et il fait preuve d'une dynamique impressionnante. Il y a une très bonne culture des eaux-de-vie de fruits et de raisins en Russie. Ce qui me fait dire hein, que c'est un pays, contrairement à ce que l'on peut imaginer, qui a une véritable culture du vin et plurimillénaire. On a fait face en Russie aujourd'hui à un changement d'échelle notable. La Russie, c'est aux alentours de 100 000 hectares de vignes aujourd'hui. Mais avec quelques centaines seulement d'entreprises viticoles majeures, et certaines sont énormes. Quand je parle de changement d'échelle, hein, Kuban Vino, par exemple, a à peu près 12 000 hectares de vignes aujourd'hui et veut encore planter quelques milliers d'hectares dans les années à venir. Donc, il n'est pas rare de rencontrer hein, des exploitations de plusieurs milliers d'hectares. Ce sont souvent l'héritage des sovkhozes ou kolkhozes, des structures soviétiques à grande échelle qui sont restructurées et converties aujourd'hui. Il y a à côté de ces très grandes unités des micro-producteurs qui sont souvent apporteurs de raisins à ces wineries. Ce qui est notable, ce sont les très gros investissements aujourd'hui au vignoble et dans les caves, avec une très forte demande de matériel et de technologie. Changement de diapositive, s'il vous plaît. Les besoins sont importants en matière de conseils, d'accompagnement technique, de la pédologie, l'étude des sols, au conseil de restructuration, et bien évidemment en œnologie et un accompagnement technique pour l'usage du matériel. Il n'y a que peu de formations viticoles et œnologiques spécialisées. Il y a de fortes demandes en matière de plants de vignes, de pépinières et d'installation de vignobles. Une forte demande aussi de tracteurs et d'outils viticoles dédiés. C'est le cas de l'irrigation aussi et bien évidemment des conceptions d'installations vinicoles. Tous les matériels, toutes les gammes de matériel et intrants œnologiques sont largement importés aujourd'hui. Alors, je terminerai avec les principaux atouts et contraintes de ce vignoble russe. Alors, je vais démarrer par les contraintes. Aujourd'hui, on a à faire face à des difficultés douanières et la présence de fortes taxes à l'importation des vins, en particulier des vins d'entrée de gamme, est un réel frein. Mais ça peut être une opportunité, parce qu'on prévoit dans les années à venir un manque crucial
de vins d'entrée de gamme, qui peut se chiffrer aux alentours de 2,5 millions d'hectos à 3 millions d'hectos. Dans les contraintes, il y a les difficultés d'obtention de visas. C'est conjoncturel avec la crise du Covid, mais c'est une réelle difficulté pour travailler là-bas. Bien évidemment, le statut de la Crimée, hein, qu'ils n'ont reconnu aujourd'hui par l'Occident. Le poids de l'histoire, avec des pratiques héritées de l'époque soviétique et des objectifs de production qui ne sont pas forcément en phase avec les attentes des consommateurs aujourd'hui. Une main-d'œuvre peu qualifiée, qu'il faut former, et très peu de recherche ou de recherche et développement dans le pays. Voilà pour les contraintes. Alors les atouts, c'est avant tout le peuple russe qui est extrêmement francophile, qui a une très bonne image de la viticulture française, qui apprécie la culture française et la culture du vin en particulier. Un autre atout, c'est le marché du vin qui est déficitaire, donc il y a de forts encouragements à la production et des aides gouvernementales très importantes pour l'installation de nouveaux vignobles, des investissements colossaux qui sont faits aujourd'hui au vignoble, et une formidable capacité d'adaptation des Russes aux contraintes du milieu. Alors je dirais que il y a de très fortes opportunités aujourd'hui dans ce vignoble russe, 100 000 hectares, hein, c'est le vignoble de l'Afrique du Sud, bon, c'est à comparer au Chili, à l'Argentine. L'ordre de grandeur est important, ce n'est pas un petit vignoble, il est en pleine restructuration, mais je dirais que pour faire face aux difficultés inhérentes à la vie locale, je pense qu'il est bon de se doter d'un collaborateur russe sur place pour limiter les contraintes. Je vous remercie de votre attention. Alors, c'est à moi. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vais apporter ma vision complémentaire à celle de Jean-Philippe Roby. Donc, moi, je m'appelle Olga Chevet, je suis russe moi-même et je connais la viticulture en Russie depuis 2002 puisque j'ai fait ma première étude de marché donc consacrée au développement et aux perspectives de secteur vitivinicole en Russie en 2002. Et donc, je peux témoigner voilà, de l'évolution de ce secteur en Russie depuis maintenant 18 ans. Donc, on note quand même une progression constante parce que depuis les années 2000, il y a eu cette volonté constante de monter en compétences, monter en gamme et en qualité de vin. Et c'est vrai que les efforts des viticulteurs convergent plutôt vers dans ce sens-là. Donc, concernant mon activité, donc j'ai accompagné plusieurs projets liés au secteur vitivinicole en Russie sur toute la chaîne de valeur, donc en partant des aspects agrotechniques, donc par exemple les plants de vigne, et jusqu'au process création de caves, transfert de technologie dans le laboratoire pour créer un laboratoire œnologique ou agronomique. Donc ça m'apporte en fait une vision un peu globale de ce secteur. Est-ce que Hélène, tu peux changer s'il te plaît le diapo? Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de l'évolution, notamment liée à l'évolution législative qui va impacter fortement, à mon sens, le développement de ce secteur. Donc dans l'état actuel, comme a dit Jean-Philippe, donc nous avons voilà à peu près effectivement 100 000 hectares de vignes. Bon, d'après les chiffres que moi j'ai trouvés, c'est 95, sans compter la Crimée, bien évidemment, avec voilà la production que vous voyez sur le diapo. Et d'après l'association des viticulteurs russes, donc dans ce volume de vin qui est produit, donc on a quand même que 65% des vins tranquilles et 40% des vins effervescents qui sont produits à partir de matières premières nationales. Donc ça, ce sont donc les chiffres de 2019. Donc, si on passe au diapo suivant, on va avoir une vision pourquoi, en fait, il y a une mise en place de la nouvelle législation. Donc, il y a cette nouvelle loi donc, qui est entrée en vigueur en juin 2020, qui est très controversée, mais qui est là pour soutenir le développement de la viticulture russe. Donc, c'est plutôt favorable aux viticulteurs russes et c'est plutôt, on va dire, bien accueilli par les acteurs du secteur.
Pourquoi? Parce que ça leur permet de lutter contre la falsification de vin. Et par exemple, pour avoir un étiquetage le vin russe, il faut que le vin soit réellement produit à partir du raisin qui est donc implanté et qui provient du vignoble russe. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que réellement les domaines viticoles russes, les viticulteurs russes se sont battus depuis plusieurs années pour mettre ça en place et pour valoriser cette marque. Maintenant, c'est une marque qui est créée donc le vin russe. Donc, cette loi va plutôt dans le sens pour inciter l'émergence de nouveaux vignobles et de nouvelles caves en Russie. Donc ça implique plusieurs choses. Ça implique plusieurs choses. Je vais vous lire la liste en fait de tous les pouvoirs qui sont attribués dans le cadre de cette loi. Par exemple, on a une création de commissions de dégustation, définition des règles technologiques pour la production de produits viticoles, les actes sur les techniques et les moyens technologiques supplémentaires. Il y a donc la liste des variétés de raisins autorisées. Il y a également un registre fédéral des vignobles qui est mis en place avec la procédure de reconnaissance des vignobles, la définition des limites des zones viticoles, donc des districts et il y a une notion donc des terroirs pardon. Tout ça inclut dans la loi, bien que cette loi est fortement, il y a une multitude d'amendements qui sont en train d'apparaître, ce qui crée un peu une confusion au sein de la filière. Mais globalement, ça va quand même vers quelque chose de positif du point de vue production locale et ça ouvre aussi des nouvelles perspectives en termes d'équipement et de solutions qui manqueraient en interne en Russie et ça peut représenter des réelles opportunités pour les fournisseurs et les technologies, les solutions françaises. Aujourd'hui, on a dit qu'on a à peu près 95 000 hectares de vignobles, sachant que l'objectif qui se donne la Russie aujourd'hui, c'est de planter 350 000 hectares d'ici 10 ans. Donc pour ça, il faut entretenir un rythme de plantation assez soutenu. Il se pose la question, est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de plants de vigne pour pouvoir le faire? Parce que la filière des pépinières, bien qu'il y a des efforts qui sont mis dessus, n'est pas forcément capable de produire autant de plants de vigne. Donc il y a aussi un enjeu, par exemple, pour les pépiniéristes dans ce sens. Pour donner vous une idée de comparaison, en 2002, quand j'ai fait ma première étude, le vignoble russe était constitué de 70 000 hectares et ils avaient l'ambition de planter 150 000 hectares d'ici 2010. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait, les objectifs n'étaient pas tout à fait remplis. Néanmoins, il y a quand même une augmentation de surface de vignobles et les nouvelles plantations sont faites plutôt du point de vue qualitatif avec les standards qui se rapprochent quand même des standards européens. Donc on s'éloigne quand même du système soviétique qui était en place depuis un certain temps. Il y a un développement de nos tourismes donc je confirme les propos de Jean-Philippe Roby qui est en train de se mettre en place avec les cartes, avec toute l'activité assez innovante pour cette nouvelle filière, on va dire, émergente. Ce qui est intéressant aussi de souligner que la consommation de vin en Russie augmente, elle est aux alentours de 7 litres par personne par an. Donc, ce sont les chiffres de 2019. Et pour vous donner une comparaison, une idée de comparaison, en URSS, par exemple, la consommation était de 15 litres par personne et par an. Je parle de vin, je ne parle pas de la vodka. Donc, vous voyez, ça ouvre quand même des perspectives intéressantes et du point de vue de création de nouvelles surfaces de vignobles et en termes aussi de consommation. La culture, aussi, il faut souligner aussi que la culture œnologique des consommateurs russes est aussi en progression. Donc, voilà, ça ouvre vraiment les perspectives vers le vignoble de qualité. Est-ce qu'on peut changer le diapo, Hélène, s'il te plaît, pour passer à un autre aspect qui converge aussi vers l'ouverture
l'ouverture de la filière vitivinicole russe vers l'international. Donc ça, c'est quelque chose qui est très récent. Donc il y a eu récemment, fin novembre, l'assemblée de l'EIV. Et lors de cette assemblée, donc, il y a eu cette proposition d'accepter le russe en tant que sixième langue officielle de l'EIV. Voilà, donc on attend les résultats. Est-ce que ça va être effectivement accepté ou non? Mais ce serait quand même une très bonne chose. Pourquoi? Parce que toute la base de recommandations et de fondamentaux qui étaient accumulés par l'EIV pourrait être traduite en russe. Donc, c'est le coût qui serait supporté par la Russie et donnerait en fait accès à toute la filière vitivinicole russe, aux connaissances et à l'expertise, à toute cette base de données traduite en russe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et ça permettra également, ça va contribuer également à faire la filière en donnant accès, en facilitant en fait les échanges d'expertise. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je propose qu'on passe. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Maintenant, je vous propose de regarder une petite vidéo qui présente un domaine viticole russe qui s'appelle domaine de Sikori et qui il vous explique pourquoi cette entreprise travaille avec les technologies françaises et pourquoi le vignoble a fait ce choix. Donc c'est un vignoble qui est assez qui est orienté vraiment vers la qualité et qui est assez représentatif vers les nouveaux types de domaines viticoles qui se créent actuellement en Russie. Voilà, je vous propose de regarder une petite vidéo. In 2011, in the Semigoria Valley of the Krasnodar Territory, bright dreams and vines intertwined. The Sikori project was born. Enthusiasm and a small winery with a capacity of 100,000 bottles per year provides the ability to move raw materials under the action of gravity. He is equipped with modern equipment of world-famous manufacturers. Александр Павлович, спасибо большое за то, что вы согласились на это интервью. Могли бы вы кратко представиться и представить ваше имя? Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Александр Сикорский. Я являюсь собственником винодельни Сикоры, которая находится в России, в Краснодарском крае, в районе города Новороссийск. Наша винодельня посажена 47 гектаров виноградников, и мы производим около 300 тысяч бутылок вина. Понятно. Скажите, Александр Павлович, вы применяете какие-то французские технологии вот в вашем производстве? И если применяете, то какие именно? Могли бы вы нам рассказать? Ну, мы стараемся работать по классическим французским технологиям. И у нас оборудование в основном на 99% французская, емкости это фирмы Сираб, оборудование для переработки фирмы Пирап и Ленг, дубовые буты, бочки, это у нас многие французские фирма Тарансо, Сигун Моро, Сен-Мартин, бетонные емкости Калилео. В общем, мы очень активно работаем с французскими производителями и используем их технологии. Также работаем с научными учреждениями Франции, с институтом Шампани, в общем-то, где очень положительные люди нам здорово помогают, нас консультируют. Спасибо. Могли бы вы нам объяснить, почему вы сделали выбор именно на французские технологии? Почему у вас именно 99% французского оборудования? Ну, потому что, собственно, опыт французов, да, многолетний, можно сказать, уже многовековой в вопросах виноделия. Мы молодая винодельня, мы только начали делать вино в 2012 году, поэтому на кого же нам было ориентироваться, как не на Францию. Тем более, что первые два года у нас вино делала Гаэль Бревон, это французский винодел, который в России со своим мужем уже живут давно, и
первый, кто сделал настоящее, классное, очень хорошее российское вино. Это Франк Мюссеньор и Гаэль Брилон. Вот Гаэль Брилон у нас работал в винодел. Voilà, voilà un petit aperçu de domaine. Et donc le vin de Sécoré est présent à la Cité du Vin de Bordeaux. Donc si vous avez la volonté de le déguster, c'est tout à fait possible. Donc il y a un partenariat qui est créé entre l'association des viticulteurs russes et la Cité du Vin, et on anime tous les ans un atelier consacré au vin russe. Merci encore une fois et je passe la parole au speaker suivant. Alors, bonjour. La parole est à Alain Sutre, président et fondateur d'Ertus Group. Bonjour, donc j'ai une présentation nettement moins académique que celle de Jean-Philippe Roby, bien évidemment, puisque j'interviens en qualité de témoin sur une expérience russe qui est très récente, puisqu'initialement nous étions surtout concentrés sur la Géorgie. Grâce au Vinitech Innovation Tour de 2019, on avait pu tester la capacité de nos produits SAS à satisfaire le marché géorgien. Et on a découvert une viticulture, j'ai découvert une viticulture que je ne connaissais pas, beaucoup plus moderne et beaucoup plus avancée que ce que j'imaginais, que ce que l'on peut imaginer en Europe occidentale. J'ai découvert aussi des gens qui étaient très ouverts, un petit peu à l'image de nos clients du Nouveau Monde, que sont les clients d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud pour la partie viticole. Et de fait, on a commencé à entamer, après cette manifestation de juin 2019, des discussions pour localement trouver des distributeurs avec les différentes pistes sur lesquelles on avait pu explorer les potentiels du marché. Et puis, fin 2019, début 2020, on commence à avancer sur la Géorgie jusqu'à ce qu'on soit contacté par un éditeur de logiciels russes spécialisé dans la partie essentiellement logiciel de comptabilité et de gestion financière, donc avec une forte expérience du mode SaaS, puisque c'est une société dont le siège se situe en Irlande, mais qui a une filiale en Russie. Et on a trouvé un interlocuteur qui nous a permis, à partir de notre expérience d'exportateur, hein, puisque Cestoy, aujourd'hui, notre solution est, comme vous pouvez le voir sur les diapos, est développée en Amérique du Nord, en Amérique du Sud maintenant, on est présent en Israël, en Angleterre, en Allemagne, on commence à discuter avec des Suisses et des Italiens et des Espagnols, donc on a vraiment une vocation internationale. Et cette Russie, en fait, on l'a découverte à travers cet éditeur qui va distribuer nos solutions, donc on est au tout début de l'histoire, on commence à les former, on a vu qu'il y avait un potentiel important, on a vu aussi que, effectivement, je confirme que la culture de l'industriel français est appréciée dans cette partie du monde, et les premiers contacts que notre distributeur peut avoir sont assez prometteurs. Alors là où on imaginait que notre solution traduite en russe avec un système de traduction automatisé assez sophistiqué, puisque on travaille avec des logiciels spécialisés dans la traduction automatisée, que ce soit pour le géorgien où ça marche moyennement, ou pour le russe où ça marche beaucoup mieux, on s'imaginait avoir un niveau d'exigence relativement élevé. Mais en fait, la confiance que font les industriels de cette filière vis-à-vis de l'industrie française fait qu'on passe un peu par-dessus ça pour l'instant. Donc ça, pour nous, c'est un bon point. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en train de discuter, ou notre distributeur est en train de discuter, avec de très grosses entreprises, ce qui pour nous, en termes de ce que l'on appelle l'onboarding du client, hein, c'est-à-dire la formation, l'intégration, l'implémentation des données de base, ça représente un travail assez considérable. Donc on est un petit peu obligé de changer de braquet dans notre distribution. Cela étant, on est très confiant parce qu'on a vraiment trouvé un interlocuteur de choix, de grande qualité, avec qui on a signé un contrat de distribution au mois de septembre. Donc vous voyez, c'est très récent. On a déjà à peu près 25 prospects dans les tuyaux sur 2021. Donc, Alessandro de Bucher-Valin, c'est à vous de parler. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Alessandro Gagnenco, responsable Pays de l'Est de la société Bucher-Valin. Et je voudrais remercier Vinitech Innovation Tour de me donner l'opportunité de témoigner sur notre expérience sur le marché russe. Donc, Bucher-Valin est une société avec ses usines implantées à côté d'Angers, à côté de Rüxalt, où on fabrique nos matériels
de réception, pressurage de raisin et la filtration tangentielle du vin de Lille et des Bourbes. On a commencé notre prospection de cette partie du monde dans les années 2000 et depuis, on y est présent dans tous les pays vitivinicoles de la région. Notre première vente a été accomplie en 2006 en Russie et depuis, on y travaille avec un réseau de distribution locale basé à Krasnodar. Car pour nous, pour l'instant, la plus grosse région vitivinicole reste le Krasnodar. Donc, on a pris la décision de s'installer et mettre nos ressources plus dans cette région. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études marketing dans la filière vitivinicole, ce qui concerne le business B2B. Donc, il a fallu qu'on apprend en marchant. Mais quand même, le marché russe est un marché avec ses spécificités. Mais quand on regarde derrière les projets accomplis, je peux vous dire avec certitude que ce marché mérite l'effort d'y aller. D'autant plus que même, comme a dit Olga, il y a une nouvelle loi de vin et de vigne qui paraît controversée, mais les acteurs de la filière sont assez motivés. Et les échos qu'il y a, ils vont énormément commencer à investir dans tout ce qui est plantation de vignes et fabrication du vin local. Merci. Merci, merci Alejandro. Voilà. Donc, alors, je laisse la parole à Delphine. Vas-y, enchaîne. Bonjour, Delphine Demade, directrice de Vinitech Sifel. Je prends la parole là tout d'abord pour vous parler du petit film qui vient d'être passé sur le domaine Sicori. Il y a eu un petit souci technique, je crois que nos auditeurs ne l'ont pas très bien entendu. N'ayez crainte, vous pourrez le reconsulter sur le replay qui sera en ligne dès demain. Pour ma part, je voulais simplement vous parler de l'édition de Moscou, du Vinitech Innovation Tour, donc qui est notre prochain rendez-vous, qui aura lieu donc pour l'instant du 23 au 25 mars 2021, et qui se passera en deux temps. D'abord, un temps adossé au salon Bevia le Moscou, qui est un salon sur l'industrie de la production de boissons, qui a lieu à Moscou, donc au cœur des prises de décision d'investissement. Et le deuxième temps, dans le vignoble dans la région de Krasnodar, pour pouvoir réaliser un certain nombre de visites techniques et de rencontres de networking. Comme l'a présenté Gilles Brianceau précédemment, notre programme, tout comme celui réalisé en Géorgie, s'articulera autour de différents rendez-vous. D'abord des networking, donc avec des rendez-vous préprogrammés qui seront évidemment traduits pour chaque entreprise qui nous accompagnera. Des temps de convivialité également. Donc comme je vous l'ai dit, des visites techniques lorsque nous serons dans la région de Krasnodar. Et bien également bien. Des conférences scientifiques et techniques portées par nos partenaires de l'ISVV. Voilà pour cette présentation rapide du programme. Donc vous pouvez évidemment, si vous souhaitez avoir des informations pour nous accompagner dans ce Vinitech Innovation Tour Moscou, nous contacter. Vous avez les contacts qui s'affichent à l'écran et également voilà sur le site internet de Vinitech Sifel et nous serons ravis de vous répondre et de vous donner des précisions sur ce programme. D'abord, je tiens, avant de passer aux questions-réponses, à remercier nos intervenants qui nous ont donné un beau panel de ces opportunités du marché russe aujourd'hui. Donc voilà, je passe la question, la main pour les questions-réponses. En attendant des questions, je voudrais juste apporter un complément d'information concernant les visas, parce que les visas pour la Russie, normalement, ça devrait être plus simple à partir du 1er janvier, puisqu'on va basculer vers les visas électroniques. Donc, pour le visa électronique, normalement, il faudrait 4 jours. Hein. En 4 jours, ça, c'est prévu que le visa sera délivré pour un séjour n'excédant pas 30 jours dans le pays. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose qui peut favoriser les échanges. Oui. Je vais poser les questions. Première question, les professionnels de la filière vin française n'auraient-ils pas intérêt à œuvrer au désenclavement de la Crimée sur le plan commercial?
Alors, qui pour répondre à cette question? Olga, peut-être? Alors, effectivement, la Crimée, c'est une région, c'est une zone actuellement très active du point de vue vitivinicole. Énormément de projets dans cette zone. Effectivement, malheureusement, on est sous sanction, donc il y a énormément de choses qui sont interdites et qui ne sont pas, donc ce n'est pas possible de commercialiser dans cette zone-là. Donc oui, ce serait une bonne chose d'œuvrer pour désenclaver cette région. Maintenant, je pense que la décision, elle est plutôt au niveau de l'Europe. Je ne sais pas si on a un levier quelconque à ce sujet au niveau de la France. Ça, c'est ma vision. Alors, question suivante. Merci, Olga. Quelles sont les subventions du gouvernement russe pour les plantations et les investissements en matériel et équipement? Jean-Philippe, peut-être, ou Olga? Oui, effectivement, il y a les subventions qui sont destinées aux plantations. Donc, vous avez, j'ai pas des chiffres en tête, hein, mais vous pouvez me recontacter. J'ai des chiffres dans mes données. Il y a un certain montant en fait qui est subventionné. Donc, c'est un montant qui est défini par hectare. Par contre, il faudrait regarder et étudier les conditions pour avoir ces subventions-là, parce que des fois, il y a des conditions, d'utilisation de certains types d'équipements, il faut qu'il y ait une partie qui soit russe, mais oui, il y a des subventions pour l'implantation de vignobles. Oui, je peux apporter une précision. J'ai entendu lors d'un échange à Moscou des montants de subventions qui atteignaient les 80% de l'investissement sur les 3 années de plantation et d'installation du vignoble, et ceci pour la Crimée. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour l'ensemble de la Russie, mais c'était une discussion justement sur ce vignoble de Crimée. 80%, c'est important. Et j'ai entendu aussi un chiffre d'un accompagnement par la suite pour les premières années de production d'un montant forfaitaire de 1 000 euros à l'hectare. Bien évidemment, sous condition. Et en particulier du respect de systèmes de conduite préétablis, c'est-à-dire à basse densité. Si vous augmentez la densité, ben la différence d'investissement est à votre charge. Alors, je n'ai pas de précision écrite dessus, mais c'est ce que j'ai entendu dans le courant de l'année à propos de ces subventions impressionnantes de jusqu'à 80% de l'investissement. Oui, il y a des subventions également pour l'implantation des pépinières, pour la création d'infrastructures pour produire des plants de vigne sur place. Et juste une précision, les subventions sont différentes. Il y a effectivement plus de subventions dédiées à la Crimée que par exemple les subventions pour la région de Krasnodar. On n'est pas tout à fait sur le même pourcentage. Et un ordre de grandeur en Crimée, hein, c'est extrêmement important. Ça traduit la volonté du gouvernement russe d'accompagner le développement de cette filière. Alors, c'est complémentaire de ce qu'a dit Olga sur le fait que dorénavant, à partir de la loi du 26 juin, le vin russe sera fait avec des raisins russes. Et il va manquer, hein, les projections pour les années à venir, hein, c'est un manque de 2,5 millions à 3 millions d'hectolitres de vin juste pour satisfaire le marché. Donc, il faut planter. Il faut produire et le gouvernement accompagne le développement du vignoble. Justement, j'ai une question très complémentaire. Quel est le coût de l'investissement à l'hectare pour la plantation et le coût de maintien de la vigne à l'année, toujours à l'hectare? Une indication à ce sujet? Alors, je posais la question des coûts en Russie, moyens en Russie. Si c'est le cas en Russie, je n'en ai pas. Ouais, il faudrait regarder les données. Oui, j'ai les données, mais je ne les ai pas en tête. Deux questions, nous avons ces coordonnées, donc vous recevrez une réponse chiffrée par mail ultérieurement. Une autre question, quel est l'état de la distribution d'équipements viticoles en Russie? Comment et à qui achètent les gros domaines? Oui, ça dépend de la taille de la cave, mais la plupart essaient de travailler en direct car il y a aussi des
faciliter à l'import, c'est-à-dire que pour certains matériels, l'importateur ne paie pas des taxes. Et aussi parfois le TVA. Merci. Une autre question. Le marché russe est-il sensible à une agriculture biologique, notamment en termes de réduction des intrants chimiques dans le process de fabrication? On parle des consommateurs. Si ce sont les consommateurs, je vais laisser peut-être parler Olga. Simplement au plan de la production, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, non, le pas n'est pas franchi. Au vignoble, on retrouve des molécules phytosanitaires que l'on a abandonnées, je veux dire en agriculture en général, des molécules que l'on a abandonnées il y a plus d'une vingtaine d'années, par exemple en Europe. Alors oui, il y a une tendance, je dirais, à diminuer l'usage des intrants, mais je ne sais pas si ça se traduit au plan d'une demande des consommateurs. Peut-être Colga ou Alexandre pourraient nous indiquer la tendance. Alors au niveau de, c'est une tendance en fait qui est naissante. Donc on a dit que voilà, il y a eu un progrès et une certaine maturité dans la compréhension des vins du point de vue de la part de consommateurs russes. Donc c'est quelque chose qui émerge, mais émerge très très légèrement. Et dans les vignobles aussi, je vois de temps en temps, on me sollicite voilà sur ces questions d'agriculture biologique ou agrodynamie. Sur ces sujets-là, mais ça reste quand même, ça reste vraiment des choses rares, on va dire, et c'est économiquement, je ne suis pas certaine que c'est vraiment fiable. Donc, on est vraiment, je pense, au début de naissance de ces tendances-là. Et je n'ai pas vu de bouteille, d'étiquette de bouteille sur lesquelles c'était mentionné. Oui, mais il y a une tendance vers l'agriculture biologique dans d'autres domaines, dans les fruits et légumes par exemple. Dans le vin, je pense que ça viendra peut-être, mais on est au début de ce parcours. Oui. Alors, question suivante, comment les viticulteurs aborderont-ils le changement climatique? Il faudrait leur poser la question. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas, comme je le disais, il y a très peu de recherches, il n'y a pas de modélisation sur de la phénologie des cépages locaux. On ne peut pas se projeter avec les cépages locaux qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas eu de phénotypage de ces cépages locaux. Alors je dirais que dans beaucoup de vignobles qui se créent, et il se crée beaucoup de vignobles en Russie, les investisseurs et les producteurs ne réfléchissent pas trop à l'adaptation du matériel végétal aux conditions de milieu, c'est-à-dire au terroir, au pédoclimat, au couple sol-climat. Il y a une méconnaissance à ce sujet et donc ils raisonnent un petit peu plus en termes d'opportunités de marché. La question du réchauffement climatique n'est que très rarement abordé. Alors, nous, techniciens, essayons de les sensibiliser et justement d'adapter au mieux les variétés aux conditions de milieu et surtout aux différences de somme de température qu'il peut y avoir entre le sud de la région de Krasnodar et la région de Rostov, par exemple. Donc, cette adaptation des cépages et cette caractérisation des cépages russes, elle est à faire. Alors, je dirais qu'en l'absence de connaissances, il y a très peu de réflexion aujourd'hui sur l'installation de ces cépages dans les différents terroirs. Et je dirais, les Russes en général ne sont certainement moins, se sentent moins concernés par le réchauffement climatique qu'en Europe de l'Ouest. Merci Jean-Philippe. Encore une question qui fait plutôt bien la transition. Quelle image ont les consommateurs russes des vins russes? Olga? Alors, les manches jusqu'à il y a très peu, enfin jusqu'à il y a très peu de temps, étaient plutôt négatifs. Et c'est vrai que les Russes ne voulaient pas forcément consommer du vin russe parce qu'il y avait beaucoup de falsifications.
Donc, c'était plus de consommation, on va dire. Vraiment, ils consommaient quand ils connaissaient la cave ou le vignoble. Il y a l'effort qui était fait, moi je dirais, depuis 2 ans, pour promouvoir l'image du vin russe. Donc, il y a par exemple des journées russes dans le retail qui est financé par l'agriculture, par le ministère de l'agriculture, donc qui met en scène donc la production et les caves russes et qui incite le consommateur d'aller plutôt vers ce type de vin en expliquant aussi, il y a aussi une pédagogie, donc il y a des viticulteurs qui font aussi des webinaires, des conférences pour expliquer, pour montrer la cave. Donc c'est ça change, c'est en train de changer les professionnels de la vigne et du vin russe, enfin les producteurs russes souhaitent qu'il y ait ce changement. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il y a une image vraiment très négative. Maintenant, on est plutôt, plutôt vers quelque chose de positif. Merci Olga. Une dernière question. Lorsque les nouvelles plantations sont prévues, les viticulteurs intègrent-ils les projets œnotouristiques? Alors, je peux répondre à travers quelques exemples, effectivement, et les derniers projets que j'ai accompagnés ou que j'accompagne sont tous dotés, bien évidemment, d'un projet œnotouristique. Les grands domaines qui se créent aujourd'hui, ou les domaines en restructuration, intègrent tous hein, des complexes œnotouristiques, mais de très grande dimension, c'est-à-dire avec hôtels de luxe, quelquefois des golfs, des chasses privées, des resorts, des complexes, des complexes balnéaires sur le bord de la mer Noire. Et tout ça autour de projets vitivinicoles. Donc oui, la tendance est lourde. J'ai entendu dire qu'en Crimée, par exemple, hein, depuis 5 ans, hein, les vols entre Moscou, les vols quotidiens l'été entre Moscou et Sébastopol étaient passés à plus de 70 par jour. Donc, il y a dans la région du Sud-Mer Noir et Crimée un flux énorme de visiteurs qui ont envie de connaître le vin, qui viennent déjeuner, dormir, déguster dans les wineries aujourd'hui et profiter de la belle saison sur les rivages de la mer Noire. Donc, c'est une tendance lourde, oui. Merci Jean-Philippe pour cette réponse. Voilà, je tiens, alors cette petite présentation est terminée. Je tiens à remercier nos intervenants, donc Alexandre Ouganenko de la société Bucher-Vallin, Alain Sutre de Hertus Group, pour leur témoignage et de leur vécu du premier Vinitech Innovation Tour en Géorgie. Olga Chevet, donc russe et spécialiste du marché du vin russe. Jean-Philippe Roby, chercheur à l'ISVV Bordeaux. Et Gilles Brianceau du cluster Bordeaux Innovant et ainsi que Interco de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, vous l'avez compris, la force des Vinitech Innovation Tour, c'est vraiment la complémentarité de tous les partenaires, chacun spécialiste et expert dans son domaine. L'idée, c'est vraiment d'apporter aux entreprises françaises et d'apporter sur les marchés internationaux une réelle expertise et valoriser cette expertise et ce savoir sur les marchés internationaux, ouvrir de nouveaux marchés. Et grâce à cela, nous espérons que le programme des Vinitech Innovation Tour vous apportera les réponses. Merci beaucoup et puis je vous donne rendez-vous sur les prochaines conférences de Vinitech virtuelles. Bonne journée.